Celui qui est sorcier, qui veut être délivré. Vous êtes sorcier? Vous êtes sorcier? Hein? Vous êtes sorcier? C'est sorcier. C'est sorcier. Quand il va dormir sur le pôle, la vieille mère. C'est pas qu'elle a problème. C'est sorcier. Et vous? Qui veut être délivré? Vas-y, je vous ai forcé. Ici, on ne passe pas. Hein? Celui qui n'est pas sorcier, il quitte. C'est comme ça ici. Tu n'es pas sorcier, tu quittes. Voilà. Tu quittes devant nous. Maintenant, si tu es sorcier, on te délivre. Non, on peut t'enlever ça. Vous mangez l'homme. On vous demande. Mamie, tu manges. Tu as mangé combien? J'ai mangé beaucoup. Tu as mangé beaucoup. Mmh. Comment hein? Toi, tu ne manges pas de viande. On sait qu'ils mangent pour eux, c'est l'homme. Tu as mangé beaucoup. Oui. Le micro, elle. Toi aussi, tu as mangé l'homme. Oui, papa. Toi-même, tu tues l'homme, tu jettes dans la mer. Et toi? Donne le micro à la petite. Tu es sorcière? Non, c'est là. Tu es sorcière? Oui, papa. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kyokri, tu dis à Sabine. Quoi? Qui l'a envoyé? Tu es venu avec qui? Ma maman, Priska. Hello. Hello. Hey. C'est toi qui l'a dit comme ça? Dieu me salue. Elle avait un esprit de folie terrible. Et puis Jésus-Christ l'a délivrée. Oui, oui, oui. Elle était dans les chaînes. Eh, Christa. Tchéco. Eh. Toi, qu'elle est comme ça. Elle avait un esprit de folie terrible. Et dans les minots, tout ça, dans les chaînes, Lazaroco. Dans les chaînes, tout ça. Et puis, on a prié pour elle. Vous êtes des enfants, là? Elles étaient. Ça va maintenant? Tu savais que Jésus t'a délivré? Hein? Tu manges maintenant? Ça va? Elle a grossi. Je ne l'avais pas reconnue. Elle avait maigri. Elle prenait ses enfants, les jetait. Oui. Christa, que vous voyez. Elle est un témoignage puissant, la gloire de Dieu. Tu sais ça, moi? Tu te souviens plus? Tu vois un peu Zaroko, non? En étant Zaroko, tu te souviens un peu de ça quand même. Mais on t'a conté l'histoire quand même. De la folie que tu as eue, c'est ça? Pour te venir à Zaroko, comment Jésus-Christ t'a délivré? Sois béni, va t'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? À cause de la main de Dieu qui l'a délivré, je ne l'ai pas reconnu. Tu es sorcier? Oui, papa. C'est elle qui vous donne? Hein? C'est qui? C'est ma fille. Tu vas prendre le céleri? Hein? Et toi, monsieur? Monsieur? Tu es sorcier? Vous les petits les sorciers. Quand tu mailles l'homme. Dans le micro, petit là. Tu mailles l'homme. Oui. Qui est son papa, lui là? Toi, tu as tous les diables. Vous avez ton jeté à moto. D'abord, il était fort. Non. Cette image là, on va prendre les portables. Donc, pas de qualité. Oui. Monsieur, tu es sorcier? Oui. Hein? Oui. Tu mailles l'homme? Oui. Et toi? Hein? Pourquoi tu parles comme ça? Qui est son parent, lui? C'est vous qui êtes les parents de l'enfant? Comment vous êtes retrouvés ici?
vous avez vu par internet? Non, oui. Comment vous avez su qu'il était sorcier pour que vous arriviez ici? Je voulais manger son oncle. Comment? Son oncle qui est mon grand frère. Comment vous avez su qu'il voulait manger votre oncle? Je peux expliquer. Oui. En fait, c'est son grand frère qui est un ancien de l'église que je fréquente à Abidjan. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça, il a hébergé l'enfant, il a pris l'enfant chez lui. Tout à fait normal. Il a payé sa scolarité, tout. Et c'est comme ça, il dit dans le songe, c'est comme l'enfant venait avec d'autres personnes. Pour l'attaquer. Voilà, pour l'attaquer. Oui. Il l'étranglait. Oui. Et le lendemain, quand il s'est réveillé, effectivement, les cicatrices sont sorties. Très bien. Moi, j'ai vécu ça. Mon papa est mort de ça. Oui, mon papa, c'est comme ça, il est mort. Oui, allons-y. Donc c'est comme ça, il a soupçonné l'enfant. Et à l'église, ça a été révélé. Ouais, ça a été révélé. Oui. Et comme sa femme, elle, à chaque fois, elle est sur YouTube, elle a vu, elle vous a vu. Et nous, on a chargé d'envoyer les enfants ici. Donc petit, c'est ça? C'est toi qui as étouffé le grand. Et le vieux dort, toi, tu vois, tu le touffes. C'est ton cadre ou bien? C'est lui qui paye ton école. Mais qui a dit de l'aller l'attraper? Et puis tu n'as pas dit non. Ah, tu te dis, mais t'as embré. Hein? Voilà, tu as habité dans l'affaire des grandes mères. T'as embré. Tu seras bon quelqu'un, tu as réussi à l'école. C'est lui qui a voulu dire. Oui. Tu n'es pas sorcier? Oui. Tu es malade ou bien? Toi, tu es sorcier. Tu ne veux pas laisser ça? Tu ne veux pas laisser? Si quelqu'un n'est pas sorcier ici, je l'enlève. Vite, vite, c'est moi qui l'enlève. Dès que vous venez, pourquoi je vous appelle? Parce que je mets mon détecteur à l'épreuve. J'ai un détecteur à moi. Plus vous levez, quand je vous regarde, le détecteur marche, ça se déclenche. Moi, c'est parce que vous êtes enfant, ouais, c'est parce qu'on vous envoie pas, parce qu'il y a des gens qu'on envoie spécialement ici. Vous dites, t'es sorcier, j'aurais dit non, ouais, vos enfants n'êtes pas parents, n'êtes pas sorcier, ramenez-les. Tu fais ça ici. Elle n'est pas la seule, il y a plusieurs gens comme ça ici. Ok, allez vous asseoir. Celui qui ne veut pas laisser, attendez, je ne force personne ici, hein? Je ne force personne. Celui qui veut laisser la sorcellerie, on le délivre. Celui qui ne veut pas laisser la sorcellerie, il s'en va. Puis Dieu va juger son problème devant là-bas. Pas chez moi. Qui veut qu'on le délivre? Pour les plus moyens vient de l'homme. Hein? Tu ne veux pas le délivrer? Quitte devant moi. Non, quitte. Ne te fasse pas, quitte. Non, monsieur, s'il vous plaît. Quitte. Mon fils. Mais il a la volonté. On ne peut pas lui mettre une pression. Il ne veut pas, on le laisse. Vas-y. Mais dis, va. Comme tu ne veux pas délivrer, vas-y. Hein? Hein? Tu veux délivrer quoi? De quoi? S'il vous plaît, c'est moi qui fais par là-bas. Tu n'es pas sorcier. C'est ça? On ne te force pas. Hein? Alors, donnez un peu, tu voulais quoi, alors? Oui, c'est parce qu'on a trop parlé sur ça. Tu n'es pas sorcier. Hein? Je vais t'entendre. Tu n'es pas sorcier. Je n'ai pas forcé. Vas-y, je t'ai fait parler tout à l'heure ce que tu as fait. Si tu n'es pas sorcier, tu n'es pas. Puis tu t'en vas. C'est pas forcé. Tu n'es pas sorcier. Hein? La voix là, c'est parti maintenant. Tu n'es pas sorcier. Donc tu voulais quoi? Et si on ne force pas quelqu'un, hein? On doit aller manger les gens à Dabou. Attention, on va vous délivrer. Tu es venu, c'est venu, d'ailleurs, tu es venu. C'est pas toi qui as sorcellerie de quoi là, qui envoûte les plats des gens, c'est pas toi? Hein? Viens ici. Je t'ai dit de partir, je t'ai laissé, je t'ai dit tes trucs. Non, pas. Hein? Non. C'est toi qui manges quoi? C'est toi qui fais quoi? Tu fais quoi, sorcellerie?
C'est moi qui se transforme en chauve-souris. Et puis tu fais quoi? Et je à l'école, elle s'est transformée en chauve-souris. Comment ils ont su? Ils ont tué la chauve-souris à l'école. Et puis son bras était à terre. C'est là qu'elle a avoué à l'école. Tu vois ça? Donc tu fais sorcellerie dans la journée. Et tu fais brûler dans la nuit. Elle arrive au niveau 1. Parce qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau 1, 2, et puis premier. Il y a 1, 2, 3. Il y a 3. Niveau 1, on fait la sauce. On peut faire la sauce dans la journée. On peut faire dans la. Et quand tu arrives au niveau 1, tu peux tuer beaucoup de personnes par jour. Oui. Au niveau 2, par semaine, une personne. Au niveau 3, une personne par mois. Donc quand les gens disent je suis sorcier, je n'ai jamais tué, moi, il faut quoi là-bas? Moi, il m'a dit, je lave assiette. Quitte là-bas, là. Je lave assiette, et puis il me sert. Toi, tu as venu manger ma maman. Et puis, je n'ai pas mangé pour toi. Tu fous quoi ici? Allez, dégage. C'est des menteurs. C'est une tortue humaine. C'est des pâtes. Qu'on mange, on doit manger. C'est comme tortue, hein. Tantôt, on mange. Quand tantôt arrive. Ah oui. C'est dans tout. Oui, une personne qui dit que grossesse, c'est que mystiquement couche avec toi. Parce que l'esprit de Marie de lui n'existe pas. N'existe pas. C'est un sorcier qui devient le mari esprit, pas de nuit. Nuit, c'est comme si il faisait des rapports avec toi la nuit. Non. Il est tout le temps dans ta vie. Donc ce n'est pas de nuit. Et ces esprits-là sont tellement jaloux. Et pour bloquer tout, il te dort, c'est ce qu'on appelle fibrore. Oh, les fibres, vous voyez là, qu'on admet, ça reste plus comme bébé. J'ai déjà vu ça, un de mes fils spirituels qui était chirurgien, gynécologue chirurgien, et qui m'a montré, j'ai eu peur. C'est comme ça. Les myomes, les complications. Quand tu t'approches de quelqu'un, ça l'énerve, l'esprit. Il peut au travers d'un mur. La sorcellerie peut passer pour rentrer dans votre maison. C'est pour ça qu'il faut que vos maisons soient consacrées à Dieu. Amen. Amen. Oui, c'est important parce que quand vous prenez une maison, vous déménagez, vous devez déménager, vous ne savez pas quel esprit est dans cette maison. Parce que lui qui quitte la maison laisse un esprit. Vous avez bien compris? Il laisse un esprit. Il y a l'esprit qui est là. Je ne sais pas si c'était mes parents qui voulaient, c'est grave. Ils vont aller prendre Nazigui, ils vont mettre dedans. Quand on prenait cette maison-là, ce qu'on a ramassé ici, c'était terrible. Des bidons de. On a demandé c'était qui on est des. On a consacré la maison. Amen. On a demandé à l'Esprit de Dieu de venir siéger ici et de prendre la destinée de tout ce centre. Donc, quand vous devez, ou bien du moins, même si quelqu'un n'avait pas pris de la maison, celui qui a construit la maison, vous ne savez pas avec quel esprit il a construit la maison. Parce qu'il y a des gens qui mettent les choses sous la terre dans le but de posséder. Celui qui va vivre dans la maison. Je veux dire, quand quelqu'un me donne une carte de visite simplement, je précise ça. Ou je ne mets pas ça dans mon portefeuille. Parce qu'il y a des mystiques qui travaillent beaucoup les cartes de visite. Quand vous donnez la carte de visite, ils prennent votre argent mystique. Et les formations des mystiques font ça. Tu vois, c'est joli la carte de visite. Il a sa photo là-dessus. Il te donne. Quand il met ça dans ton portefeuille, il contrôle ton argent. Ah oui. Donc, il doit avoir un endroit, il y a des trucs de cas de visite. Oui, il y a des ours à cas de visite. Ayez ça. D'ailleurs, ils comprennent tout, dans leur portefeuille. Non. Il faut qu'il y ait des ours spéciales cas de visite. C'est des petits trucs, ça existe. Ça existe, déjà. Vous mettez ça seulement pour les cas de visite. Si vous êtes trompé, mettez ça dans le portefeuille, que le monsieur est mystique, il contrôle ton argent. Mais quand vous comprenez que quelqu'un qui est encore à Abidjan, un blanc qui est à Paris, il le vole. C'est pas mystique, non? Ce sont les appels les bruteurs. C'est mystique. Il prend son maillard, il peut les presser, il fait oui, c'est l'ignoble. Vous savez ce qu'il a fait chez lui? Il a envoûté. C'est comme ça, il y a une action mystique. Leur quart de. Aujourd'hui, là, ils ont changé les stratégies. Amen. Amen. Le diable n'est pas loin. Il est juste à côté. Vous savez, il faut ouvrir les yeux. Il faut avoir le discernement. S'il n'a pas Dieu, il est capable de tout.
C'est pour ça que vous ne faites pas des amis comme ça, comme j'ai l'habitude de dire. Vous devez, quand on dit ami, c'est quelqu'un d'intime. Quelqu'un qui doit rentrer dans ta chambre. Il faut être convaincu que la personne a la crainte de Dieu. Vous dites, ah, mais j'ai pas le temps de la. Elle va aller doucement à l'église. Mais avant d'aller à l'église, elle va dire d'abord de gérer. Ça ne dépend pas d'elle. Ça dépend de l'esprit qui est en elle. Parce que l'esprit qui est en elle, c'est un esprit destructeur. C'est comme ça la sorcellerie. Une fois qu'on tente la sorcellerie, ça ne dépend plus de maman. Ça dépend de l'esprit. Maman ne veut pas. L'esprit dit donne. Il donne. Elle donne l'enfant, on le mange. Vous avez compris? Amen. Donc, c'est important, n'est-ce pas, de connaître tout ça. Donc, quand quelqu'un dit mari de nous, c'est pas mari de nous. Un sorcier peut prendre le visage de quelqu'un, venir faire des rapports avec une personne. Excusez-moi, de toute façon, les gens, il est chacun en toi. Et c'est ça qui donne le fibre. Les myomes, les trucs. Ça pousse, hein, ça repousse. Des complications. Souvent, on détruit ton utérus. C'est des choses que tu veux connaître. Amen. On dit amen. Amen. On va bien saisir. Il n'a plus besoin de te draguer. Il y a des sorciers, on va venir. Il y a des draguer. Il te regarde seulement, c'est fini. Il te fait une image. Et le soir, il vient te rendre visite la nuit. J'ai vécu ça dans la rue de Fresco. Et le gars, il est moche. Vous voyez, il est vilain. Grand frère est vilain. Hein? Bon, grand frère est laideur. J'aime quand tu as dit et. C'est et là, nous on a tous dit. Tu dis et non. C'est la même chose. Quand il y a vilain, grand père c'est laideur. Maintenant, le grand père est laideur. Tu viens, tu as dit non, tu es vilain non. Donc il n'a pas le temps de te draguer. Le pouvoir quand lui là, il prend ça pour t'attaquer. Tu as vu, toi comme ça, toi comme ça. T'as la nuit. Il rentre dans ta chambre. Ce qu'il a envie de faire, toi, là, il fait tout. Matin, tu te lèves. T'as l'impression que tu es mouillé. Il a fini avec toi. Tu marches. Tu peux jamais m'envoyer, il a fini avec toi. Il t'embrasse même. Bouche, on dirait caniveau. Les voleurs sont dangereux. Il sait que lui, il est en train de voler. Donc tout ce qu'il veut faire, toi, il fait. On l'a attrapé dans le village. Il dit, lui, il est expert en mari de nuit. Lui, il est expert dedans. Oui, madame, ça, il t'a déjà pris. Il t'attaque la nuit. Vous avez l'impression de faire l'amour. C'est une réalité spirituelle. Viens, vous me connaissez très bien les questions. Viens, t'as fait la moitié qui? Eh, celle-là. Eh, parlable ça. Tu vois la fille, elle est belle, parlable, les deux. Il dit, le jour là, t'as cherché ton caleçon rose, t'as pas trouvé. Elle veut discuter. Le monsieur vaincu, vilain, voici le caleçon rose. C'est vous qui jouez à la sorcellerie. Elle mène un pleur. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Maréchal. Il t'a bien dit, il a pris caleçon rose, tu discutes. Elle est souvenir. Ce jour-là, on a cherché, n'a pas trouvé. Il y a des choses qu'on souvent ne dit pas. Quand votre dessous disparaît, ou votre soutien disparaît, quelque chose d'intime, on peut prendre ça pour se retourner contre toi. Et ton corps a touché ça. C'est pour ça que quand ton habit, tu as porté, ne donne pas à quelqu'un que tu ne connais pas. Il peut prendre ça pour te faire la sorcellerie. Ou bien si tu te demandes, il dit porte. Porte d'abord. Non, mais pourquoi il porte? Quand il porte, il peut plus te détruire ça. Eh bien, saisi. Ta robe, non? Je veux ta robe là. Que tu ne portes pas là? Ok. Faut essayer. Non, je n'essaye pas. C'est. Si elle a essayé, elle va plus prendre ça pour te détruire. C'est ça. Voilà, pour dire ça. Je connais affaire de sorcellerie quand je suis fatigué. Leur monde là. C'est ça qu'ils m'attaquent. Je peux t'enseigner toute une vie, c'est ça.
Ils vont dire, non, j'essaye pas. Essaye. Je sais pas laver. Ah, ah. Il dit, mais tu as lavé ça, non? Abila, c'est pas, tu dis ce qui est pas plus, non? Si tu n'as pas lavé, mais tu vas aller laver après, c'est. Tu vas voir que la personne dit non, mais pourquoi tu me forces? Bon, je prends plus. C'est bien le problème. Vous voyez, ton sorcier t'a attrapé. Je lui dis droit dans les yeux, sorcier, tu es vaincu. C'est pas moi qui l'ai tué. C'est lui qui banalisait tout. Et les yeux ouverts sur tous les mouvements. Donne-moi 100 francs. Tu as payé quoi? Non, j'ai payé tabac. Ce qu'il va te montrer, il m'a fait les 100 francs. Oh, t'as une pièce, je vais te débarrasser de ça. Oh, les 100 francs que tu vois là, c'est ton empreinte digitale que la mémé ou le sorcier cherche. Quand il y a un incident, quand il y a meurtre, tout, la police scientifique en Europe s'est développée. Ils viennent, c'est les empreintes digitales. Pourquoi aujourd'hui on a répondu à nos empreintes avec nos passeports biométriques là. Tu ne peux pas avoir comme les gens avant, tu peux prendre le passeport de ton frère voyager, où il ressemblait. Tu peux pas faire ça maintenant. Mais quand tu fais, bon, ce n'est pas la même empreinte. On t'attrape. Donc, à partir de l'empreinte digitale, on peut contrôler ta vie. Et ils savent ça. Je sais que la sorcellerie, c'est une science. Donc, quand tu donnes les 100 francs là, ce n'est pas 100 francs qui l'intéresse. C'est ce qui est sur les 100 francs là, qui prennent. Dès que tu as 100 000, tu tombes chez lui. Vous me regardez. Tu me regardes, ma fille. Je suis révolté contre le vélo. Quand je vois les gens s'amuser, ça. Venez, on va prier, Dieu va guérir. Et la sorcellerie. T'as les pasteurs qui moi, je ne dis pas bonjour. C'est vous la vérité. Parce qu'il banalise ça. Et là, non, on a fait des sorcelleries là, non. Mais pourquoi? J'ai dit, c'est que toi, tu sers le diable. Parce que tu es pasteur d'un peuple que tu ne connais pas. La plupart d'entre eux sont victimes de la sorcellerie. Tu vas guérir qui? Maladie la savait d'où? Elle ne se marie pas. Qui bloque ça? Amen. Non, ne joue pas ça. Hein? Quand on te voit, t'as l'air. On sait que c'est la sorcellerie. Amen. Amen. Donc, l'argent, il ne faut pas donner ça à n'importe qui. Je peux m'en pharmacie Kenya, je prends ma voiture. Et un enfant est en train de nettoyer mes vitres. J'ai failli le chiffrer. Non, il veut l'argent. Il dit, moi, tu as quel âge? Il y a 5 ans, il veut donner l'argent. Puis j'ai t'encouragé pour venir faire ça. Ton âge que tu as, c'est pour aller à l'école. Ouais. C'est pas pour te donner l'argent. Si tu je t'encourage. À ce que c'est, il y a un monsieur, il n'a pas de bras. Il fait tableau. Et puis, il vend ça pour vendre. Un jour, il a donné 5 000 francs. 50 000, je lui ai donné. Ah, mais c'est ce que lui, on peut guérir. Franchement, je n'ai pas. Je suis à gagner une fille bien. Monsieur. J'entends. Non, il dit monsieur. Monsieur, elle est mal polie, monsieur. Je peux avoir 1 000 francs. Je vais y aller. J'ai faim. Je vais y aller. J'ai 5 francs. Ils n'ont pas. 5 francs, tu n'es pas malade. Tu as bras, tu as pied. Tu peux être servante. Toi, un possédé t'attrape, elle va coucher toi. Ou bien, elle va coucher toi. Bon, toi, tu es comme ça, je sais que. Qui dit maman, tu vas prendre mon argent, aller faire sorcellerie. Elle dit, ah, elle dit oui. C'est pas mon argent, tu vas aller prendre pour envoyer ça dans ton soubara là-bas. Je regarde, quelqu'un qui a les besoins, ça lui donne. À cause de la sorcière, on doit être prudent. C'est pas méchant. Depuis que les bombes, les Arabes mettent les bombes partout, ou en prêtant avion, c'est qu'on te montre. On t'escale partout. On dans sac. Regardez comment on rentre dans l'aéroport. Toi, mais tu dis, mais c'est quoi ça? On t'escale ton sac, tout. À cause de la sorcellerie, ouvrez les yeux. Mon neveu est venu. Il doit savoir si.
Et si les vrais, vrais neveux, où il y a un neveu derrière? Attends, neveu qui est venu manger. Mais il y a des gens qui viennent en mission. Amen. Amen. Frère, la vie, il a une fraction de sinon vous pouvez la perdre. Si vous n'êtes pas prudent. Quand Dieu ouvre les yeux, notre monde est gâté. Le diable est partout. C'est une réalité. Il est partout. Dans toutes les affaires, le diable est dedans. Celui qui n'a pas Dieu, il est exposé à un grand danger. Tu es dans le cas, là, c'est qu'à côté, tu le connais. Si tu n'as pas Dieu, lui peut manger à ton âme. Une petite fille malienne, elle a mangé un blanc en chouette. Une Libanaise l'a initié à la sorcellerie. Elle a eu le blanc, elle a fait une bonne sauce arachide. Elle avait ri ensemble, elle a mangé le blanc. Là, ça n'existe plus. C'est ce que vous savez, ils ne sont pas malades. Façon la technologie évolutive, la sorcellerie est très évolutive. Là, ce que vous pensez de les ont dépassé ça. C'est une technologie, c'est une science évolutive. Il n'a plus besoin, quand il veut te manger, il est en contact avec toi, le bonjour qu'il te demande, il sait qui te gère dans la sorcellerie. Il sait qui te gère. Il peut aller dans ton village en esprit. Et vous jouez ça. Moi, je ne te connais pas. Je ne peux pas venir trop parler à moi. Il n'est pas ton temps. Maintenant, on vient nous dire 40 secondes, on est en Espagne, à Madrid. Clin d'œil. Moi, elle est derrière dans ta chambre. En train de dire bonjour, ça va. Comment on dit bonjour en espagnol? Comment? Buenas tardes. Ça, c'est bonsoir. Buenas dias. Buenas dias. Buenas dias, c'est ça? Et le soir? Buenas tardes. Amen. Ok, amen. Amen. Donc tu tues les gens, c'est ça? Allons-y. Comment tu fais? Je regarde tout dans les yeux. Tu vas tout voir dans les yeux. Quelque chose ressort. Ressort. Ça attire l'âme. Et puis tu le mets dans un sac. Les sur le champ. Et puis tu l'amènes où? Mais tu l'attaches, tu l'amènes. Et qu'est-ce qui se passe? Sous un arbre. Tu l'attaches. C'est le programme. Je viens jour, quand les gens arrivent. Tu as fait quoi encore? J'en vous. Tu vas t'asseoir, maman. J'ai invité mes camarades. C'est pour ça que vous devez vous investir dans ce ministère. Vous parlez comme ça, après on ne vous voit plus. Moi je parle fort. C'est pour ça que j'ai fini de prier pour vous, je prends ma voiture, je mets à la maison. Je vais pour mon petit commerce, j'ai mon arrière, puis mon carburant. Hmm? Je vous mes camarades. Elle envoûte ses camarades, comment tu fais? Si elle a vu, elle a mangé. Je transforme la nourriture, le bien. Comment tu fais? Je regarde la nourriture tout dans les yeux et je change. Hmm? Je regarde la nourriture tout dans les yeux et je change. Tu regardes la nourriture? Je vois. Et puis tu mets quelque chose dedans. Vous qui n'aimez pas prier là. Mm-hmm. Vous regardez le. Non, après, je venir ici toi. Vous pouvez pas m'interrompre pendant que je travaille. Vous regardez le plat. Ça veut rien dire. Si
Seigneur, merci pour ce repas. Sanctifie-le. Enlève tout son engourdissement. Au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui te délie est délié. Tu as délié quoi pour que ça soit délié? Diary, tu vas voir. Tout est sanctifié par la prière. Priez. On va demander. C'est pour ça que vous devez conseiller ça aux enfants. Amen. Amen. Oui. J'écoute. Et j'en vous. Je regarde la nourriture tout dans les yeux. Et je transforme. Je mets quelque chose dedans. Et quand je mets ça dedans, soit elle tombe malade. Mais cette maladie, je ne peux jamais la soigner ça. Je donne la sorcellerie aussi. Tu initie les gens à la sorcellerie. Je regarde la nourriture et je change ça en vision de l'homme. Avec la nourriture, tu peux déjà initier quelqu'un. Je vois pas. À la sorcellerie. Je change ça en vision de l'homme. Et quand la personne mange, la nuit, il se reçoit son âme, il vient là-bas. Viens chez toi. Je vois pas. Et on lui commande la pâte de l'homme. La pâte de l'homme. Ça l'envoie. Ça l'envoie. Et ça tout ce que la reine demande, elle obéit. Et j'ai attaché, j'ai programmé ma grand-mère aussi. Voilà. Et mon grand-père. Bon, on va te manger. Elle dit, hein, viens. Avec sauce. Et un bon photo. Banane nuit. Voilà. Tu l'as programmé. Tu as fait quoi encore? J'ai attaché mon grand-père aussi. Ton grand-père aussi. Il va mourir quand? En janvier. En janvier. Tant que non, moi, nos poulets, ils programment les trucs. Je vous ai dit tout à l'heure que, toujours, la vie est faite de programmation et de déprogrammation. N'est-ce pas? C'est ça la vie. Tu as fait quoi? Je l'ai attaché les deux pour janvier. Mmh. Pour les manger? Tu as tué 99 personnes. On dit, on va te manger. Tu vas à l'église. Mmh. Puis sorcier t'a attaché. Dans le micro. Je vais à l'église, mais je ne sais pas pourquoi elle m'a. Mais t'attaché. Quand tu vas à l'église, il faut aller vrai. A fait de Dieu, elle va faire des mes yeux. Ou tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Il faut laisser dire. Elle t'a attaché. Faut laisser ça, tu es dans arbre, attaché, ben. Nous on a délivré ça. Tu as demandé où c'était à Zogo, on dit tu es dans arbre. Hey. C'est toi qui arraches les aveux. Et la moyen. Pour Dieu va te manger. C'est pas toi qui l'envoie ici. Tu pouvais faire ça, puis tu l'envoies ici. Ou deux dans la chambre, c'est fini. On appelle sauce Mankunzoué. La vieille, elle c'est Mankunzoué. Elle dit c'est Mankunzoué. On n'a pas le temps d'aller, non. Dialo Damaku manger, étoile. Tu manges. Elle n'a pas le temps de braiser. Tu as fait quoi? Tu seras mon Jean en janvier. Tu dis rien? Ah!
Demande quand que Jésus te délivre. Et puis il faut aller, il faut être bon chrétien. André, comment tu remets ta tête? Il faut être bon chrétien. Sur cette terre-là, il n'y a pas plus puissant que le Dieu que nous servons. Oh, la Bible déclare que l'ange des ténèbres campe au-dessus de tout ce qu'il craint, il les arrache du danger. Si vous pensez que vous venez, c'est pour que Crasso prie pour vous, le prophète Crasso, et que vous n'avez pas d'effort à fournir, vous avez menti. Parce que ce que Dieu va regarder pour te délivrer, après la délivrance, quelle sera ta position vis-à-vis de lui? Quelle sera ta position? Ce n'est pas une question de Crasso m'a délivré. Si Crasso te délivre, le prophète Crasso te délivre, et que toi tu te retrouves là, dans les choses qui n'ont pas Dieu, le sorcier t'attaque. Il faut être dans la présence de Dieu. Ah oui, le combat c'est terrible. Que Dieu nous aide. Amen. C'est comme la soeur qui est claire. Je meurs dans un accident de circulation très grave. Ça fait 4 fois que je vois ça dans ma vie. Je me lève, Dieu me dit, il y a une alerte, elle va mourir. La haute sorcellerie, c'est des gens qui ont parlé de ton âme. Et Jésus est Seigneur. Amen. C'est que vous devez retenir, c'est que Jésus est Seigneur. Amen. Je vous dis une chose. Quand je ne viens pas ici, je suis un esprit avec vous. Je ne suis pas un marabout. Les choses se règlent dans le spirituel. Amen. Et puis je viens. Pendant que vous êtes ici, je suis un esprit avec vous. C'est un sang de prière. Amen. Voilà. Le prophète que je suis avec vous en prière. C'est pas moi qui détiens ce pouvoir. C'est Dieu qui a ce pouvoir. Il me donne les instructions. C'est ce que je suis. Je ne suis pas le maître de ta délivrance. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Et moi, je crois que Dieu peut délivrer les gens. Amen. Je suis scotché, c'est l'air. Ce pouvoir-là, ce n'est pas pour moi. Ça ne m'appartient même pas. Pour m'approprier ça. Non, non, non. Non. Ça appartient à Dieu. Dieu l'utilise. Vous avez compris? On dit Dieu l'utilise. J'aime bien cette expression. C'est Dieu qui l'utilise. Le jeu n'a plus besoin de lui qui déconne, dégage. Or, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Quand il t'a choisi, il t'a choisi. C'est ça. C'est ça. Alléluia. La différence. Amen. Dieu ne se répand jamais. Parce qu'il voit dans l'avenir. Il réfléchit à tout ça. Pour dire, lui, là, il ne va jamais déraper. Tiens. Le don, c'est à vie. On va bien écouter. Amen. Donc, je dépends de lui. On va bien te saisir. Amen. Oh, vous aimez quand vous donne des révélations. Ouh là là, ça vous fatigue. Les petits marabouts bizarres qui sont dans les cellules de prière bizarres. C'est qui vous montre? Vous aimez ça? Vous aimez ça? Il y a quand dit, ah prophète, le don que tu as là, s'il y avait ça, il y a longtemps il construit une meuble. Je dis, tu es un voleur. Dieu n'a jamais donné ça. En tout cas. Mais il y a des intentions. Avoir tant pour construire une meuble. Moi, j'ai de l'air pour aider les gens. Je vous disais ça tout à l'heure dans mes exposés. Tout à l'heure, j'ai pris 600 000, 700 000. Je finance des choses des gens que le diable a détruit. Moi, j'ai fait ça. Parce que l'argent qu'il y a, ce n'est pas pour moi. Après, c'est la vérité. Ça part quand Dieu. C'est pour ça que Dieu me bénit. Ah, il faut que Dieu me donne l'argent. Il te donne l'argent pour quoi? C'est-à-dire aux gens, vous voulez que Dieu vous donne l'argent. Vous allez faire quoi ça? Allez voir Pierre. Jacques, dernier, abouti à une fille. Tu es vaincu.
Quel est l'intérêt? Dieu ne voit pas. Le jour où tu as commencé à prendre ton argent, donné à l'œuvre de Dieu, Dieu te bénit. Depuis que tu es né, tu n'as jamais fait une offrande à un pasteur. Depuis que tu es né, tu n'as jamais construit l'église. Non, j'ai fait. Quand il serait béni, tu ne vas jamais faire ça. Tu mens. C'est maintenant que ça commence. Et vous voulez que Dieu vous donne l'argent. Depuis mes affaires sont bloquées, ça va être bloqué. Parce que ton argent, ça ne va pas dans l'église. Ça va ailleurs. Quand tu as ça, ça ne veut même pas. Ta pensée même d'aider l'église d'être. C'est ailleurs. Ben lui, il a quel intérêt? De toute façon, toi, tu aimes bien que Dieu, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Il investit là où il a son intérêt. Toi, tu peux investir quelque part où tu gagnerais. Oui, hein? Non. Mais c'est la question. Mais la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. C'est là que Dieu voulait jouer. Non, il n'a qu'à me bénir. Mais il te bénit là. Pourquoi? Il gagne quoi en te bénissant? Tu allais boire bière, Agouti, la petite fille, troisième, projet de troisième mariage. C'est ce que tu veux. Tu es un sorcier vaincu. Le feu sur toi. Amen. Amen. Le jour tu vas commencer à investir dans l'œuvre de Dieu, Dieu va commencer à te bénir. Amen. Moi, tous les jours, je cherche à savoir qui je dois aider. J'ai compris le pouvoir du donner. J'ai compris ça. Après que moi, je m'oublie. Je n'ai pas avoir 200 000 francs à venir, je me retrouve peut-être 5 000 francs à venir. Le lendemain, m'appelle, on dit, je vais ça, les gars. 400 000. Ouais. Ah, j'ai semé donc je récolte. Toi, t'as semé quoi pour regarder quoi? T'es un sorcier. Tu n'as pas mis une ligne, puis tu dis non, il allait creuser quoi? T'as créé quoi? T'es un sorcier. On sert. Il dit, l'homme moissonnera ce que tu sèmes, tu moissonneras ce que tu as semé. Le don est une sème. Ils ont pour un argent, ils ont pour un argent. Tu as une fois donné, tu as une fois payé une chaise dans une église. Toute fois que tu fais ça, Dieu se souvient de toi. Vous savez pas quand on paye une chaise dans l'église ici, c'est Dieu, ce qu'on appelle le livre de souvenirs devant Dieu. Amen. Amen. Ce qui a fait que Mardochée a été épargné. Le roi lisait le livre de chronique. Il constate que Mardochée a déjoué un complot. Il n'a pas été récompensé. Son ennemi, Aman Bénet. Il dit, mais pour quelqu'un à qui le roi veut apporter beaucoup d'honneur, il fait quoi? Il dit, mais il faut le mettre sur un cheval. Il dit, fais ça pour Mardochée. Tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, c'est dans le livre de souvenirs de Dieu. Parce que vous êtes utile à l'avancement de l'œuvre de Dieu. On est ici cette terre parce qu'on est encore utile. À quoi? Si tu es encore utile à l'œuvre de Dieu, tu as une longévité. Je sais qu'il y a des gens qui commencent à avoir l'argent, commencent à construire la maison de Dieu. C'est ce qui est la vérité. Le jour doit commencer à t'investir. Regardez pourquoi les Américains, ils ont des ONG, ils aiment nous aider. Quand tu commences à faire des dons, tu touches le cœur de Dieu. Et bon, l'impression que la main qui est toujours en bas. Hein? Mm-hmm. Et il prend ça et il fabrique. Et lui, c'est non, on dit. Oh, c'est ici, c'est quitté. Mm-hmm. Oui. C'est sorti d'ici. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Dans Jésus, là, toi, tu vas manger aussi. Dis amen. Amen. Je prophétise que Dieu te donne l'envie. Amen. Je prophétise que tes ennemis deviennent les ennemis de l'Éternel. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne serais pas perdant dans ce combat. Pourvu que le combat que tu vis là, Dieu est avec toi dedans. Pourvu que ton cœur s'attache à Dieu, que tu comptes sur lui. Tu ne t'en seras jamais perdant. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a compté sur Dieu et qui a perdu un combat. Amen. Amen. Jamais. Car la Bible déclare, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Ne fais souvenir d'aucun chagrin. Donc je préfère la bénédiction de Dieu. Vous cherchez la faveur des gens. Vous regardez l'œuvre de Dieu en train de mourir, ça ne vous dit rien.
Jamais vous pouvez payer une chaise pour l'œuvre de Dieu. Jamais. Le jour où vous offrez quelque chose à un homme de Dieu, vous touchez le cœur de Jésus. Amen. Jésus dit, j'ai eu faim. Lisez dans Matthieu. Vous ne m'avez pas donné à manger, mais Jésus, reste tranquille. Toi, Jésus, on te voit, puis on n'a pas donné à manger. Nous, on est possédés ou bien. Il dit, toute fois qu'on fait ça à l'aide de mes enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous avez fait quoi, Jésus? Toi? Jésus, il y a des problèmes. Il ne viendra pas te secourir. Parce qu'il y a eu un besoin, tu n'as rien dit. C'est vous seulement qui voulez que Dieu vous délivre. Vous n'êtes pas prêt pour l'œuvre de Dieu. C'est ça. Ézéchias a dit. Esaïe lui dit, ainsi parle l'Éternel. Dieu me dit, tu vas mourir. Dans les heures à ta maison, j'ai retourné. Il est parti. Vous savez ce qu'il a sauvé? Ce sont ses dons. Il a dit à Dieu, souviens-toi de moi, ce que j'ai fait pour toi. Hein? Dieu t'a réveillé. Et puis c'est vrai. Hein? Or, Ézéchias, c'est le petit fils d'Akab. Il a détruit les autels de Baal. Il a rétabli le nouveau culte. Il a un culte à l'Éternel. Il a reconstitué le tabernacle. Il l'a inversé dans l'église. Alléluia. Dieu dit c'est vrai. Ézéchias, je me suis trompé. Ézéchias, c'est pas toi qui dois mourir. Et là, il va aller dire, j'ajoute 15 années sur ta vie. Alléluia. Frère. Mais qui mange, même qui mange vite, avec champion noir, mange. Il fait rien pour l'œuvre de Dieu. Il regarde l'œuvre de Dieu, ça lui dit rien. Frère, nous sommes enfants de Dieu. Les choses du royaume sont notre affaire. Tu dis même pas amen. Comme tu n'es pas prêt. Les choses du royaume sont notre affaire. Amen. Les choses de Dieu sont notre affaire. Nous devons préserver l'œuvre de Dieu. Amen. C'est ça que quand tu touches un homme de Dieu en Côte d'Ivoire, tu vas me trouver sur ton chemin. J'ai dit à tous les féticheurs, vous voyez là, voici nos combats avec eux. Et dit, tue les hommes de Dieu. Je lui dis, il faut que vous et moi, nous nous rencontrons. Et puis on va voir où est la vérité. Je ne sais pas comment vous tuez les gens. Hein, mais je ne pense pas que vous allez tuer un véritable homme de Dieu. Vous allez jouer le nom de Dieu. C'est vos camarades. Dieu là, c'est vos camarades. Vous allez prendre ça pour faire publicité. Moi, je me pose garant. Vous allez, on va faire essai. Moi, mon ministère, c'est pas fait dans rêve. Moi, c'est un ministère de démonstration de puissance. C'est pas fait des rêves. Quand tu pars, je me lève, je suis devant toi. Je t'ai dit, je t'ai fait coucher. Ce qu'il te dit là, il fait ça. J'étais à Zarouba, un petit est venu, il veut m'embrouiller. Je l'ai aveuglé. Pendant 45 minutes. Il t'attend. 46 minutes de donner avec. Il bouge, bouge, bouge. Vous savez, moi, tu veux jouer. Notre cœur se rachète à l'Esprit de Dieu dedans. Sinon, ce qui est en nous est plus fort. C'est trop puissant. Toi, petit sorcier, moyen d'auteuil. C'est toi qui as venu m'effrayer. Tu m'effraies, je t'effraie mille fois. J'ai peur de rentrer dans la maison. Hein. J'ai vu Salamane, c'est mon grand-père. Tire! Si tu vois Kafa, il faut aller payer Baïgon, c'est Kafa, ta maison est sale. C'est pas grand-père qui est venu de tuer les rats. Mais je vous dis aujourd'hui une chose, le jour où tu vas commencer à t'investir dans l'œuvre de Dieu, Dieu va commencer à te bénir. Amen. C'est tout. C'est tellement simple. Bon, il va donner envie, tu vas faire quoi? Lui gagne quoi dans ta longue vie que tu as là? Lui il a combien de temps dedans? Rien. Non mes enfants. Hein? J'ai laissé prendre mes enfants. C'est ça que Dieu a dit à Abraham, donne-moi Isaac. Abraham va discuter. Il a donné. Il dit, je vais te bénir. Parce que tu as compris que moi d'abord. Dis amen. Amen. Moi d'abord. Amen. Est-ce que Dieu prie dans ta vie? Lui d'abord. Est-ce que tu l'as fait? Dieu d'abord. Tellement Dieu m'a dit, donne-moi, donne à cette fille, ouais, tel frère, 300 000.
Je regarde, c'est l'argent que j'ai. Je pourrais m'étonner. Parce que c'est ce que j'ai appartient à Dieu. Tout ce qui est du royaume, ça me concerne. Je suis un enfant, un fils du royaume. Amen. Vous investissez dans le monde, dans les choses du monde. Là, vous avez, vous avez l'argent pour ça. Allez à un intérêt mort, ça vous avez l'argent pour ça. Pour vous embêter. Mais personne ne peut. Tu t'embêtes même pas pour aller construire l'église. Ça ne te dit rien. Parce que comme tu es un esprit de mort, toi tu vas chez les morts. Pour ça tu es prêt. Moi pour l'œuvre de Dieu, je suis prêt à m'embêter. Parce que c'est ma chose. Amen. C'est dans mon sang. Le royaume. Je suis fils. Donc il y a des choses, quand ça vient, Dieu met stop à ça. Dieu est obligé d'arrêter ça. Parce qu'il voit trop son intérêt à moi. Amen. Amen. Quand Dieu te regarde, tu évangélises comment tu n'as jamais dit à quelqu'un, Jésus t'évangélise. Jésus est bon. Or, le fait même d'acheter un instrument, acheter des choses dans l'église, c'est comme si tu t'avais évangélisé. Que Dieu nous aide. Amen. Et les petites choses simples, qui attirent la grâce, nous laissons ça. Amen. Amen. Dieu ne va jamais te bénir tant qu'il n'a pas mis à l'épreuve. La femme, avait, elle avait, la femme, la veuve, elle y va. Il y a une période où c'était la sécheresse, il avait la famine. Il va chez la femme qu'on appelle la veuve de Sarepta. Elle lit le Tishbite. Elle arrive. La femme dit, oh, tu es venu en retard. C'est la petite peau d'huile et farine. Moi, mon fils, il est venu. Hein. Donc toi-même, on n'a pas ton temps. Il dit, donne-moi manger. Moi d'abord, laisse affaire de toi et ton fils. Or, Élie veut dire Dieu en arabien. Élie, Élie là-bas, sabbatane. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie dit Dieu d'abord. Quand tu penses à ton fils et toi, et Dieu. Alléluia. Toi, tu as un projet. Où est le projet que tu as pour l'église? Où est le projet que tu as pour Dieu? Là, ne dis rien. Mais Dieu a quelle pensée à avoir sur toi quand tu as des problèmes? C'est ça notre problème aujourd'hui. Nous sommes très égoïstes. On est passé en nous, pas à Dieu. La Bible dit, l'homme est décrit à l'image de Dieu. C'est ce que tu ressens. C'est la même chose de Dieu. Quand Dieu te regarde, c'est ce qu'il ressent. La femme, elle a dit, ok, tout comme elle va mourir, elle prend farine. L'une, elle fait le gâteau à elle. Quand elle a fini de manger, elle regarde dans la cuisine. Voici, tout est là. Toute une provision de 2 mois, elle avait ça. Parce qu'elle a pris le soin de faire ce risque. Prends le risque. Toi, tu n'as pas pris un risque pour Dieu. Non, je suis malade, il n'a qu'à me guérir. Tu as vu quoi? Il va te guérir, tu vas retourner chez ta femme. Ta deuxième femme, là, c'est ça? Non, j'ai beau des reins. Les reins, là, tu fais ça avec quoi, ça? Il va où est les reins? Ce qu'il fait là, c'est qu'il a fait que les reins sont tordus. C'est la vérité. Il n'a qu'à me guérir. Et puis aller à les reins là-haut. Tu viens de pas faire l'homme de Dieu. Dieu, il est là, il regarde. C'est pour ça qu'il tarde dans l'exaucement des prières. Allez chez les marabouts, ils sont prêts à vous aider. Mais Dieu, si tu ne comptes pas son intérêt en toi, il ne te bénit pas. On dit amen. 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 Quand il vous regarde, l'extension vous mange. Il a traché comme cabri. Mais il fait pépé soupe. Tomate fraîche dedans, il y a gombo frais, aubergine frais. Et puis, après, ça sent bien parfait. Il te mange. Seigneur, délivre-moi. Il va me délivrer. Mais si tu délivres, tu vas faire comme vous voulez de moi. Ézéchiel dit, souviens-toi de moi. C'est qui j'ai fait pour toi? Toi, tu n'as pas fait quoi pour Dieu? Hein? Donc, tu n'as qu'à donner, je commence. Celui qui donne, toi, tu ne donnes pas. Est-ce que vous savez que dans la tradition chrétienne, c'est donner pour recevoir? Vous savez ça? Ah. Hein?
C'est une loi de vie. C'est qu'on donne, qu'on reçoit. Si on n'a jamais donné, on ne va jamais recevoir. Vous voulez avoir l'argent? C'est le secret. Oh, quand tu as l'argent, tu deviens, tu as le pouvoir. Quelqu'un ne va pas me dire le contraire. Un pauvre n'a pas de dignité. Ils sont tranquilles. Non, je suis à l'église, du prophète, je parle en langue, je vois vision. Faut quitter devant moi. Je chasse les démons. Quand tu es derrière comme ça, tu as l'argent? Non, quitte. Quand tu regardes, quand tu ne ressens pas ça. Non, non, mais dans mes visions, mon cher, c'est pas ce qu'il y a chez qui mange au marché. Qui a vision, Dieu te doit donner l'argent que le pouvoir. C'est pour ça que je vous encourage à faire des affaires. Amen. Amen. Vous allez faire des affaires. On m'a bien saisi? Amen. Des affaires. Je peux acclamer le Seigneur. Tu as trop mangé, c'est ça? Oui. Tu as fait la sorcellerie. Oui. C'est ta petite fille. Comment elle est ta petite fille? C'est ta fille qui est fatiguée. Tu as fait disparaître les affaires de ta maman. Oui. Tu as un doula au bébé, t'as dit que tu es tous les. Sinon, on appelle ça doula, tout ça. Hein? Mm-hmm. Ou bien? Doula, ça n'est pas dit malinqué, tout ça. Doula, ça veut dire connaissant. Tout ce que nous avons fait, tout ce qu'on fait, connaît déjà, nous dit, oh, tout reste, non, on va pas dire. Tout bien? C'est comme ça, nous sommes. Nous sommes. Chez nous, tout c'est là. Maintenant, si tu es curieux, qui veut dans les détails, tu nous donnes les détails. Sinon, connaît déjà, nous, Maïmouna qui est venu s'ajouter dedans. Tu es là confirmé maintenant. Confirmation de Joule. Hein? Elle est quoi? Tout ce qui brille n'est pas l'ocre. Donc, à un moment, il faut fermer les yeux. Donc, imagine, ceux qui sont dans la nature ne sont pas délivrés. Ceux qui vous font choquer pour séduire. Elle me dit, je te choque pour te séduire. Amen. Amen. Elle te choque dans la rue pour te séduire. Que Dieu nous aide. Amen. On n'est pas mis les possédés sans nous. D'ailleurs, vous possédez. Ils sont animés par le diable. Et qu'est-ce que tu veux? Je brise la chaîne au nom de Jésus. Ils ne vont plus te manger. La puissance de Dieu. Je détruis cette maladie qu'on appelle excès de ta vie au nom de Jésus. Laisse-moi, je n'ai pas fini de prier. Oh, la vie là, sa bouche. Elle dit, il y a, je sais, mais elle fait brome. Bon, je n'ai pas fini. Je dis, tu sais, mais. Je sais, c'est devant moi ici, ils ont dit, tu bromes. La puissance de Dieu. Quand Jésus te délivre maintenant, sa main te libère. Que le mal disparaisse de toi, de ce ventre. Qu'on n'entende plus parler de ce fibrome, ni du sein. Donc Jésus te guérit et reçoit la délivrance dans le nom de Jésus. Je proclame ta délivrance maintenant. Amen. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen.
Et bien tu viendras rendre ton mariage. Vas-y, tu es guéri. Amen. Jésus. Oh, Jésus. 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 Il y a quelqu'un, Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Allez. La puissance de Dieu. Je chasse l'esprit de la sorcellerie. Je détruis la présence de la sorcellerie. Ici, quand tu commences à parler, tu parles, non, chasse l'esprit de la sorcellerie. Nous chassons l'esprit. Comme tout à l'heure, je viens de le faire. Non seulement ça, j'ai prié pour celle qui était victime, n'est-ce pas? Mais en même temps, celle qui est à la base, qu'on appelle la sorcière, a aussi besoin de la délivrance. Le feu. Comment? Le feu sur toi. Tu lâches son âme. Tu m'attends? Tu libères son âme. Lâche-la. Tu l'as bien mal étudié maintenant. Hein? Le danger. Vous voyez tout le monde en jeu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Fais sur toi. Allez. Le feu consume tes œuvres. Viens, madame. Le feu consume tes œuvres. Celle-là, c'est ma fille, hein. Elle est restée très loyale. C'est une fille des Arocos. Dans les débuts. Beaucoup nous ont léchés dans la douleur, tout ça. Elle est restée fidèle. C'est devant elle, tous en train de se décider. Je lui ai dit, le jour, un monsieur doit te marier. Qu'il est bien, parce qu'il faut que je vienne le scanner. C'est moi qui va prendre ça en compte. Pour ton mariage. Du début jusqu'à la fin. Il a l'argent un peu pour te nourrir. Hein? Pour pouvoir te faire manger, ben sucré seulement. En fait, les commandes, c'est Ama. Tu sois béni. Maman, il faut reconnaître les gens qui t'ont aidé dans le combat. C'est important. On la voit défiler. Je connais son histoire. Ferré! Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Dans le nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Je ne sais pas, tout le monde s'adresse à un esprit de la sorcellerie. L'esprit écoute. Il y a deux esprits très terribles. Il y a l'esprit de l'homosexualité et de la sorcellerie. Ce sont des esprits très dangereux. Tu peux regarder ta propre camarade femme et tu as envie d'elle. Ton propre camarade garçon dur, musclé, poilu, tu couches à lui, tu es excité. C'est une possession. Les deux démons terribles. Le feu! Lâche-la! La puissance de Dieu. Quand vous regardez cette scène, vous comprenez directement qu'elle, elle est possédée. Vous comprenez? Voilà. Donc directement, on comprend que ce n'était pas d'elle-même qu'elle pratiquait, qu'elle faisait cette pratique. Elle était sous une influence. Du moins, elle est possédée et l'esprit la dictait ce qu'elle devait faire. Donc, elle n'a plus de volonté. Ok. Maintenant, il faut que l'esprit sorte de son corps. Parce que le corps que nous voyons aujourd'hui est une enveloppe. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes le temps du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est très intéressant. Amen. Amen. Nous sommes le temps. Et la Bible dit qu'on peut l'attrister. Et la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te forcer. Mais il va te miroir pour te dire ce que tu es en train de faire là. Tu n'es pas dedans. Hein? Or, le diable, c'est ce qu'on appelle possession. Il t'oblige, contre ton gré, à faire des conneries. Or, Dieu te dit, il va te parler pour dire ne fais pas.
Et tu peux le faire. Mais tu l'attristes. Il t'est quitté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Or, quand le Saint-Esprit te quitte, comme David pouvait dire, ne m'arrache pas ton esprit, ça. Et ne t'éloigne pas de moi. Lisez le psaume 51, vous allez comprendre. Parce que quand Dieu s'éloigne de quelqu'un, c'est grave. Si l'Éternel ne garde une maison, ceux qui la gardent veillent. Si l'Éternel ne garde une maison, ceux qui la gardent veillent en vain. Or, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui les craignent et les arrache des dangers. Amen. Si seulement tu crains Dieu, il veillera sur ta maison, sur ta couche. Il regardera là où tu es. Il veille pour t'arracher des dangers. Pourquoi le danger t'a touché? T'as dû toucher, ça dit rien à Dieu. Regarde ton cœur. C'est la question. Par moi, il faut te remettre en cause. Toi, mais par toi. Pourquoi le diable t'arrive si facilement? L'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui les craignent et les arrache du danger. Amen. Amen. Écoutez bien Daniel. On interdit de prier. Daniel ouvre la fenêtre, il crie. On dit, ah, c'est toi qui te poses au roi. Dans la force au lion. Dès qu'on descend Daniel, les lions. Alléluia. Amen. Pourquoi toi, facilement, le diable accès à toi. Il t'est détruit. Ça veut dire, Dieu s'est éloigné de toi. Ça veut dire, il s'est éloigné de toi. Quand Dieu s'est éloigné de Saül, Dieu a livré Saül à ses ennemis. Voici Goliath qui va affronter, va commencer à mal parler d'Israël. Frère, quand Dieu s'éloigne de toi, il te livre à tes ennemis. C'est ça que David dit, non. C'est vrai, j'ai péché. Je couchais avec Bathsheba, la femme du lit. Mais Dieu, ne te loin pas de moi. Et ne m'arrache pas ton esprit saint. Parce que quand Dieu arrache ton esprit, t'as un esprit d'égarement. Si l'esprit de Dieu ne peut plus te parler, frère, c'est le diable qui te parle. Or, quand le diable te parle, c'est pour détruire. Tu es animé par quel esprit? Que Dieu nous aide. Amen. Laissez à faire les mélanges chrétiens. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Oh, la volonté de Dieu, c'est pas parce qu'on sait que toi tu veux. Jésus dit, non, pas ma volonté, mais Père, que ta volonté soit faite. Il y avait la croix. Il fallait l'affronter. Il y avait l'humiliation. Souvent, tu passes forcément par là. Il y a des choses où tu arrives, ça ne dépend pas de toi. Dieu veut que tu passes par là. Dieu permet ça pour te faire grandir dans la tête. Amen. Amen. C'est pour ça que tout ce qui arrive à un enfant de Dieu est un miracle déguisé. Vous voyez ça comme la main de Dieu qui est dedans. Dieu ne vous lâchera pas tomber. Si seulement vous comptez sur lui, il ne vous laissera jamais tomber. Amen. C'est tout. C'est vrai. Mais lève-toi. Jésus est tombé deux fois. Pendant qu'il avait la croix, il tenait la croix. Il est tombé. Il y a quelqu'un qui l'a soutenu. Simon de Cyrène. Mais si tu fais une chute, lève-toi. Ne reste pas là. Et c'est fini. Il n'y a plus, c'est fini. Relève-toi. Et le chemin continue. La vie, c'est encore devant. C'est l'arrivée qui compte. C'est ça que la Bible dit. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pas comment tu as commencé, c'est comment tu finis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous monter de moi. Mais demain, est-ce que vous savez ce que demain nous réserve? Oui. Ça change aujourd'hui votre temps. Vous pouvez m'insulter. Vous pouvez vous manquer demain. Mais la Bible dit la fin est plus importante. Ça, c'est le temps. Vous prenez le temps de vous manquer. Vous m'insultez. Mais la Bible dit la fin de choses. Vous savez comment j'ai fini? Moi, j'ai l'Éternel avec moi. Amen. Toi qui t'es moqué de moi, je suis convaincu que tu viendras t'humilier un jour. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut jamais mépriser quelqu'un. Non, il faut considérer tout le monde.
Moi, quelqu'un m'arrête, je l'écoute. Je le salue, je l'écoute. On ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais qui peut être ton tuteur demain. On ne sait jamais dans la vie qui pourra te soutenir demain. C'est ça qu'il ne faut jamais dénigrer quelqu'un. Moi, je veux toujours participer à la construction des vies des gens. Je veux participer à aider les gens que Dieu les détruit. Mais c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Si tu prends ton temps pour les détruire, ils vont te détruire demain. Si tu ne rayes pas l'épée, tu payeras forcément par l'épée. C'est la parole de Dieu. Si toi tu règnes en train de détruire les gens, un jour tu seras détruit de la même manière. Tous ceux qui sont venus par le coup d'État, ils sont venus, ils sont partis par le coup d'État. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça que ne t'assois jamais en train de parler mal de quelqu'un. Non. Dans le pile de nuit, c'est la même chose qui va t'arriver. Parce que tu as aimé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Il dit à un de vous qui va me livrer. Celui qui me tient la main en même temps que moi. Dans le plan, c'est lui qui va me livrer. Ses paroles s'est accomplies. Car ce gitan qui avait mis la main, le même gitan qui a trahi Jésus. Jésus est un. Mon jeu d'âme, que Dieu délivre, libère de la sorcellerie, et puis Dieu positive son esprit. C'est un enseignement que je suis en train de donner. Quand un démon sort d'un corps,
C'est-à-dire que le corps est vide. Or, vous savez très bien que la nature horreur est vide, n'est-ce pas? Vous devez prier pour que le Saint-Esprit vienne posséder, habiter son corps. Pas posséder, mais que l'Esprit habite son corps. Et désormais, quand le corps sera habité par le Saint-Esprit, vous allez voir l'amour, les fruits de l'Esprit, quand vous lisez en Galates, vous comprenez les fruits de l'Esprit qui va commencer à se manifester. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans le comportement du caractère qu'on découvre si on a Dieu ou pas. Je proclame vaincu ton royaume. Lâche-la. Au nom de Jésus, tu vas la libérer. C'est un ordre. Si. C'est pas là que tu as cherché. Tu vas la libérer. Si. Si. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas partir? Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas quitter ce corps? Tu m'attends? Tu ne veux pas la libérer, pourquoi? Hein? Elle t'appartient. Hein? Depuis quand? Depuis longtemps. Depuis longtemps. Tu ne veux pas la lâcher? Ok. Mais tu vas la libérer maintenant dans le nom de Jésus. C'est un ordre. Et ça ne se discute pas. La Bible dit, devant ce nom, tout genou fléchira. Il n'y a pas un genou, n'importe quel genou. Toi, le diable, n'importe quoi tu es, tu ne peux pas résister à la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus, ce n'est pas question de crasseau. Devant ce nom-là, tout genou fléchit. Absolument. Pourquoi? Parce qu'il est lui le roi. Devant un roi, toi tu es qui? Tu dois fermer ta bouche et t'incliner devant les autres rois. Jésus, non seulement ça, il est le roi des rois. Pas le roi, il est le roi des rois. King of kings. King of kings. Il est le roi des rois. Vous avez une voix quand on conteste la parole d'un roi? Non. Et quand le roi m'a dit, tue ta mère, tu ne discutes pas. Attends, quand le jour, j'ai donné un enseignement sur la royauté, vous allez comprendre beaucoup de choses. Hein? J'ai donné Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il faut prier pour avoir l'autorité. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu nous a établis comme roi. Sortez! C'est pour ça que l'argent doit venir. Amen. Demain, vous parlez. Est-ce que vous il y a les esprits de l'or, il y a l'esprit de l'argent. Vous savez pas ça? Demain, je vais vous montrer ça. Quand tu as l'argent, il veut partir, non, il parle. Il veut partir. Il y a des gens, quand tu as l'argent, tu as envie de dépenser, n'est-ce pas? Mm-hmm. C'est un esprit qui est là-dessus. Quand tu n'as pas maîtrisé cet esprit-là, tu ne vas jamais devenir riche. Demain, je vais vous donner un peu la révélation. C'est vrai qu'il y a la sorcellerie. Il y a des esprits qu'il faut maîtriser. Or, la Bible dit que c'est à toi l'héritage de ton Père. Nous sommes des héritiers de Dieu. Co-héritiers avec Jésus. Pourquoi vous enseignez ça? Le jour où tu vas commencer à être bizarre, où tu vas commencer à être pauvre, personne ne va t'écouter. Or, Dieu t'a choisi pour t'établir. On m'a bien choisi. Amen. Pour que ta parole. Quand tu regardes, quand tu dis, fais ça, on te regarde. On sait que tu as le pouvoir d'achat. Quand tu penses que les gens veulent t'exécuter là, c'est pas parce que tu es grand frère. Hein? Ou bien? Mm-hmm. Répondez-moi, on n'a pas là où. Amen. 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 Il y a ça. Pouvoir d'achat. C'est pas que l'argent, voilà, l'argent, c'est pas possédé. Non. C'est normal que tu aies l'argent. Ah, non, s'il y a beaucoup d'argent, il manque d'argent. Dieu l'a beaucoup, il est possédé. Non. Vous avez une fois vu Dieu, il est possédé. Lui, il a beaucoup. Vous avez une fois, il est possédé. Non, si il demande beaucoup à Dieu, non, moi, il veut beaucoup. Vous avez une fois vu quelqu'un qui a l'argent, il cherche un petit. Non.
Tous les milliardaires doivent avoir un milliard encore. Ah. Pour demander au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas être riche, je ne veux pas être beau. Moi, je veux être riche. Pauvreté, je ne vais jamais attendre ça. Vous savez ce qu'on appelle pauvre? Celui qui est constamment dans les besoins. Si tu es dans les besoins, le boutique va t'attraper, toi, jolie femme. Tu n'as pas payé ta pommade, tu n'as pas payé mèche. Tu dis là-bas, Kabakou, j'attends de gâter ta peau. Dis à l'autre, il dit, ouais, 2000, 20 000. Tu vas regarder pour dire, Seigneur, s'il te plaît. Aie pitié de moi. J'ai fini de même me confesser. C'est pour ça qu'il faut que Dieu vous bénisse. Amen. Faites tes affaires. Amen. Amen. Tiens mon Seigneur, faites les affaires. Les petits trucs, vous faites là. Faites tes affaires. Ça a marché. Si tu as l'argent, ton mari va te respecter. Suzanne, Suzanne! Le lit à la Suzy, viens, Suzy, ça va. Il te blague pour prendre la. C'est pas ça. Ça. Elle va faire si gros. Quand son mari va là. Ça va? Ça va. Tu fais mes scupes. Tu as gagné l'argent beaucoup aussi. Oui, je gagne. Tu gagnes. Monsieur fait quoi? Bon, il garde mon bénéfice. Monsieur. Monsieur là. Il fait quoi? De pot. De quoi? Pour boisson. Ça va aller, les bâtiments. Ok. Donc, madame fait un peu, monsieur fait un peu. Ça va là? Ça. La vérité, j'ai envie de vous dire. Je remets encore là-dessus. Vous voulez vous marier? Communauté de biens. Madame, tu as quoi? J'ai trois de placali, marmite, deux fourchettes tabourées. Le monsieur, il va manger placali. Le même va dire au monsieur, ta femme elle est possédée. Parce qu'elle va venir manger ton argent. Et vous vous plaignez quand la belle famille vous attaque. Parce que regarde comment toi tu es rentré dans la famille. Oh, vous pensez que c'est le monsieur qui doit tout faire. Il te dote. Il paye l'école de ton petit frère. Il paye l'école de ta petite soeur. Il amène les gens à l'hôpital. Et tu penses que je suis pris en charge. Non, mon père, ma famille est malade. Mais lui, il est aussi d'une famille. Tu viens même pas aider. Je te demande aujourd'hui, fais quelque chose, s'il vous plaît. Le lit, tu vas commencer à avoir l'argent. Tout le monde va avoir la vision sur toi. À la soeur, là, la nuit, là, le Seigneur m'a parlé. Qui cherche un problème? Quand tu vois aux oies, tu sais qu'il y a la pauvreté derrière elle. Et où tu as pris tout? Jouer ça, non, depuis là, il n'est pas encore marié. Regarde, ouais, regarde, il ne peut pas. Hein? C'est un problème, tu vois, voyez. J'ai une charge. Il va payer facture de courant. Il va payer l'eau. Bois de qui ne paye pas, allumette là. Ce monsieur doit payer. Mais évitez les choses. Allumette, monsieur doit payer. Allumette est fini, hein. Qui m'a dit est fini? Quand il vient, il ne te parle plus, hein, il te dépasse. Paye, bonjour, c'est problème, tu as expliqué. Aidez vos maris. Très bien. Aidez vos maris. Celui qui a trouvé, c'est pas chance, hein. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est toi qui es le bonheur. Tu as quoi d'abord pour que Dieu te donne quelqu'un? Arrêtez-moi de vous rêver. Vous rêvez. Vous pensez que Dieu va envoyer un monsieur, un extraterrestre du ciel. Va, voici ma fille. Prends-la. Le Seigneur m'a envoyé vers toi. Ça se prépare. Il va te donner quelqu'un dans le maltraiter. C'est deux mecs qui se lavent. C'est nous en Afrique, on comprend mariage comme le monsieur, celui qui doit tout faire. Je suis désolé. Ici, entretien de mariage, il y a des demandes, il fait quoi? J'en profite pour dire, le monsieur là, il se marie le samedi prochain. On acclame le Seigneur. Il sera délivré et libéré de l'esprit du célibat. Il se marie. Tout le monde est invité à ce mariage. On a commencé. À quoi descendons plus, monsieur? Tu nous as envoyé affaire. Moi, je ne dois pas connaître ça.
Tu sais qu'on avait les cartes d'invitation. Avant moi, les champions dans le bureau. Ils ont envoyé le bureau, non? On a fait. L'humain était pas. On a déjà commandé gâteau. Son alliance, on va commander son alliance. Parce qu'on a, s'il vous plaît. Sa mesure, la mesure de sa bague. Les gens ont besoin de savoir ça. Tu n'avais pas encore vu. Ouais, ta photo, ouais, la photo de ta. Moi, il est dans ta carrière, ça va dire. Quand on est dans quelque chose, ça doit être propre. Ça, là, tu peux garder pour des années encore. Je dis, non, ça m'amuse pas ça. On est dans ton affaire, là. C'est pour rendre ça propre. Il faut aimer les bonnes choses. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. En compagnie de 50 000. Il dit plus rien. Non, pas merci. On acclame le Seigneur. Ça dit moi aussi. Alléluia. Tout le monde va participer au mariage. Je vais voir tout le monde ce jour-là, ici à Divo. Amen. Je vais voir tout le monde à Divo. Vraiment soutenir le pasteur, c'est vraiment important. Envoyez ce jour-là, laissez-nous tranquilles. Je suis possible. Soit je me pousse, pardonnez. Ce jour-là, pardonnez, laissez-nous. Oh, mais un gâteau du petit. Ce jour-là, pardonnez. Laissez un peu de sorciers. Ma grande veut manger. Pardon. Nous on veut manger le gâteau. Ce jour-là, pas de délivrance. Amen. Amen. Si vous investissez dans un mariage, Dieu vous bénira. Amen. C'est un petit, c'est mon fils. Je l'ai gagné. Je me suis investi en lui. Et pour moi, c'est une fierté de voir qu'il a suivi le chemin du Seigneur et notre ministère. Je l'ai envoyé partout vers son ministère parce que je l'ai testé. Je l'ai envoyé dans un village. On l'appelle Sénès. Vous connaissez Sénès? Il n'y a pas courant là-bas. Il n'y a pas eau. C'est eau de Bandama. Quand vous voyez poisson, il vient dedans. Ma fille aussi était là-bas. Ici, on teste les gens. Hein. Tu deviens pasteur. Quand lui, il est le titulaire, c'est qu'on a formé. Après, toi, allez faire ta formation. Ton nez. Tu vas faire ta formation. Oui, ici, on forme les gens. Hein. On les regarde. Après, on les envoie sur terrain. Marocher sur terrain. Marocher, elle est à Zaroko. Sa formation militaire. Ils vont nous appeler. Tant que Dieu est fini, il faut prêcher. Tes fidèles vont prêcher. Prêcher ton sagéry. C'est comme ça. Il t'envoie sur terrain. C'est ce qui en toi te donne à manger. C'est l'ouvrier qui mérite son salaire. Quand moi, il venait à Divo, il n'y avait personne ici. C'est mon travail qui m'a fait. Donc toi, Didi, tu as appelé, non? Que Dieu t'a parlé, c'est toi Dieu a parlé. On veut voir, on va sur terrain. Il faut les former. Il faut les appeler. Il faut les appeler. Donc lui, je l'ai formé, il est parti. Et ce que vous ne savez pas, c'était pendant la veille. On était en train de préparer la veille des fêtes. Je les ai envoyés en mission. Personne n'a murmuré. Comment on peut envoyer les gens après Noël, le 26, on dit allez en mission, dans un village, que vous ne connaissez même pas. Ils sont partis. Lui est resté pendant 3 mois. Il a fait janvier, février, mars. On est venu en avril. Je les salue. Pas de murmure. J'ai fait exprès. Eh, moi, j'ai fini ça. Hein? J'ai fini et formé. J'ai une licence en théologie et puis j'ai une formation en missiologie. Donc, j'ai formé quelqu'un. Il ne me vient pas. Souvent, on l'oublie. T'es venu sur le terrain là-bas. Ils vont pêcher. Dans Badaman, là. Les carpes. Ils mangent. Bananes douces. Là-bas, ils font la plantation de bananes douces. Ils font jeûne et fruits. Tu as vu comment? Jeûne à fruits, banane dans ton ventre. Je suis allé les chercher. Je lui ai dit, je suis convaincu de ton appel. Il a vu une fille dans le ministère, ses yeux ont brillé. Ok. On l'a testé. On a décidé aujourd'hui de se marier. Que le mariage soit honoré de tous. C'est pour ça que je suis content. Pour ceux qui ont déjà apporté des cadeaux. Ceux qui sont en train de tuer, merci. Il y a une de mes filles qui arrive aussi de la Suisse, Henriette. Il y a tous mes enfants, la plupart des enfants spirituels, ceux qui viennent. Parce que quand les gens me parlent, ils disent, aide-le, c'est mon fils. Amen. Donc ce samedi là, c'est samedi prochain, on a quelques jours seulement. Amen. Voilà, donc ce mariage là, tout le monde doit venir.
Le pasteur Philippe, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup soutenu. Vos démons, quand même, ils ont quand même chassé un peu. Hein? Voilà, vous devez soutenir. C'est ici, à partir de 15h, ici chez le maire, ici à la mairie. Et nous, à partir de 17h, nous serons déjà ici. Et vraiment, ça sera vraiment quelque chose de très merveilleux. Et nous réservons une grande surprise. Parce que dans la même soirée, il y aura un grand conseil. Un conseil ici, je te fais une surprise. Hein. Peut-être que je t'ai vendu la même. Tu ne sais même pas qui vient faire conseil. Ah, c'est ça aussi. Tu ne sais même pas qui. Mais c'est important, lui. C'est important que toi, tu sois. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, c'est ce samedi. Là. Si vous voyez télévision, les télévisions smart, plasma smart, donnez ça au pasteur. Vous préparez un congélateur, vous dites madame, il faut aller payer, faire nyamankou, puis ça. Vous payez facture. Moi, je l'ai dit ça ici. Facture du pasteur. Amen. Que Dieu nous aide. Donc demain, le samedi prochain, il y aura un mariage. Amen. Nous allons manger le gâteau. Ce jour-là, nous ne nous emmerdez pas. Il y a des sorciers, ils n'ont qu'à attendre. Nous, on va manger le gâteau. Quand on finit. Non, allez, bon, d'ailleurs, on les met sur pause. Ce jour, on te laisse une semaine. On finit de manger le gâteau, on attaque la sorcellerie. Laissez-nous un jour, je nous réjouis un peu quand même. Toujours sorcier, sorcier. Laissez-nous fêter un peu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Te libère. Allez! Le feu, tu vas partir. Qui est chrétien? N'en avez pas peur. Mon père vous dit, si j'ai mon père, peut-être pourquoi il dit, pour venir. Non, qui est chrétien? Il n'est pas bien bien, tu viens mon père. Le père aime les gens qui sont dans l'aide. Qu'on a aussi Pierre. Amen. Ça veut dire petit Christ, non? N'ayez pas peur, n'ayez pas venu vous dire, venez chasser des mots. S'il y a une situation bizarre qui se présente à vous à la maison, vous avez l'autorité sur les démons. Est-ce que je voulais vous faire entendre? Ne tremblez pas. Oh, la panique, dans la panique, vous perdez la foi. Dans la panique, Dieu ne peut plus agir. Vous comprenez? Vous prenez l'autorité. Vous commandez. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, il charge les démons. En mon nom. Il s'appelle les serpents. Les démons là qui nous intéressent. Lui, tu dis aux gens allez saisir les serpents. L'on fuit. Allez! Lâche-la. Tu vas partir? Tu vas partir. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la au nom de Jésus. Tu la libères maintenant. Là. Va-t'en. 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 Quand un sorcier parle, il n'est pas été délivré. Vous voyez les gens qui disent non, ils délivrent les sorciers, d'autres disent non, ils délivrent avec lait. Vous connaissez pas la sorcellerie. Lait, la boire, ça les délivre. Quand quelqu'un délivre, il a été délivré de la sorcellerie, demandez son histoire. Comment il a été délivré de la sorcellerie? Comment ils l'ont délivré? Non, lait. Il était là-bas. C'est ça qu'on appelle le fétichisme. Nous, nous-mêmes, vous-même, là, vous voyez comment ça se passe chez nous ici. Et puis les gens vous blaguent. Vous voyez comment ça se passe chez nous ici. C'est ouvert. Toi-même, tu regardes comment le prophète travaille. Donc, c'est ouvert. Tout le monde assiste. Quand un petit chat, il ne va jamais monter, comment il fait? Non. Lui seul, il rentre dans sa petite chambre vaincue, là. Un petit coq rouge vaincu qui habite. Petit coq. Et sa statuette vaincue, possédée, il va s'en couler. Ce qu'il a fait devant, tu ne sais pas. S'il a attaché, tu bois. Or, nous, c'est devant vous tous. On vous regarde.
comment Jésus est nous. C'est ça. Le christianisme, c'est la lumière. Il y a une différence entre nous et les ténèbres. Eux, ils cachent pour eux. C'est ça, je dis aux gens, mais ne me ménagez pas à vous, on n'est pas mélangés. Hein. Parce que vous et moi, quand on s'est rencontré sur le terrain, je vous mets à terre. Je ne discute pas. J'ai le pouvoir de Dieu à moi. Quand Élie a vu les prophètes de Baal, il leur a dit, venez, on va montrer qui d'entre nous, qui est le Dieu qui fera descendre du feu du ciel. Laissez, attention, la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux mystiques. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux fétiches. La Côte d'Ivoire appartient à l'Éternel, le Dieu des armées. Il faut que les gens comprennent que c'est Dieu qui dirige cette nation. Le pouvoir des fétichistes ne peut rien. Seul Dieu. Ce que nous avons vécu comme crise, c'est la main de Dieu. C'est arrivé dans d'autres nations. C'était la catastrophe. En combien de temps la Côte va se repositionner? C'est la main de Dieu. Laissez-nous croire en Dieu. Et vos fétiches, séparez-vous de ça. Parce que ça ne va pas vous apporter quelque chose. C'est l'enfer.